Diane Bélan, je suis artiste peintre. Je suis permanente à la galerie MP Trésor à Durham Sud. Contente de vous voir aujourd'hui. Nous allons travailler avec des techniques mixtes qui comportent la peinture, le façonnage, le collage et aussi le taponnage. Donc, taponnage vient du mot avec le tampon, avec des tampons. Je vais même vous montrer à en faire différentes sortes. Le travail que je fais ressemble un peu à ceci. Là. Ça, c'est deux de mes toiles dans lesquelles il y a justement de la texture, de l'écriture, de l'assemblage, du collage. Le projet qu'on va faire aujourd'hui est celui-ci. C'est certain que ce que vous allez faire va être probablement différent parce qu'on part avec des images différentes, mais dans l'ensemble, ça va ressembler un peu à ceci. Alors, pour commencer, j'ai décidé aujourd'hui qu'on travaillerait sur du carton pour l'imperméabiliser et le rendre beaucoup plus résistant à la peinture pour qu'il gondole moins tout ça. J'ai travaillé avec un carton assez moyen, pas trop épais ni trop mince, et je l'ai enduit de gesso. Le gesso est une matière qu'on utilise pour imperméabiliser les toiles. Habituellement, quand on achète les toiles, souvent elles sont déjà traitées avec le gesso. Alors j'en ai mis des deux côtés pour faire que la résistance du papier soit égale. Vous allez voir si jamais vous voulez le faire de cette façon-là. Quand vous mettez votre gesso, si vous en mettiez juste sur un côté, ça gondolerait. Donc c'est important vraiment d'en mettre des deux côtés. J'en ai mis deux couches de chaque côté pour être sûr là, du résultat. Donc, travail sur papier. Cette fois-ci, c'est un carré. Hein, je travaille avec cette matière-là. Aussi avec des coupures de revues. Dans ce cas-ci, c'était des coupures de revues de nature. Donc, n'hésitez pas à garder vos revues, feuilleter, ramasser les images qui sont percutantes ou pertinentes ou qui vous parlent. Et souvent, à partir de ces images-là, on peut faire des tableaux. Pour travailler aujourd'hui, alors, du polymère. Dans ce cas-ci, c'est un vernis brillant que j'ai pris. Ça peut être un médium acrylique aussi. Ça se vend en grosse quantité, mais en plus petite quantité. Donc, si vous n'êtes pas certain là, d'en utiliser beaucoup, vous pouvez prendre des bouteilles beaucoup plus petites que celle-ci. Alors, médium acrylique, le gesso dont je vous ai parlé tantôt, qui est une pâte faite à partir de polymère, de marbre et de colle, et qui ressemble un peu à un mortier liquide, mais c'est vraiment fait pour les arts plastiques. Ensuite, colle blanche. J'ai aussi cette colle-ci qui est une colle plus résistante. C'est une colle pour paillettes et sequins. Elle sèche vite et elle colle vraiment de façon définitive. Des spatules, c'est toujours utile, surtout quand je fais des collages pour enlever les bulles d'air sur l'image. Donc, on enduit de polymère une surface, on l'applique et après ça, on vient étendre le polymère pour éviter les bulles d'air sur l'image. Les pinceaux, dans leurs différents formats. Format brosse, ça c'est un format qui est intéressant pour l'application des polymères. Pour les plus petits détails, ben là, on peut aller du moyen au plus petit. L'important, c'est que à chaque fois que vous utilisez vos pinceaux, c'est important après ça de les laver avec une eau savonneuse. Vous êtes sûr de les garder là, presque indéfiniment. Crayon de mine, ça peut être du HB, du H. C'est sûr que dans ce cas-ci, j'ai pris un HB parce qu'à l'écran, ça va paraître un petit peu plus. Donc, c'est important. Là, mais le H, si vous avez des crayons H, ça fait pareil. C'est que c'est des crayons de dessinateur qui sont un peu plus pâles. J'utilise ce crayon-là un petit peu particulier qui est de la marque Sharpie. Alors, c'est des marqueurs gras. Avec une corde qui fait qu'on peut éplucher notre crayon et faire que, comment on dit, la mine apparaisse. C'est un crayon gras, donc c'est un crayon qui ne disparaîtra pas avec à l'eau. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les traits de crayon vont rester. Donc, ces crayons-là. J'ai aussi des crayons, des Staedtler, des crayons permanents pour faire des retouches. Parfois, quand on veut que l'image ressorte, des fois, on utilise le marqueur pour faire ressortir certains traits.
Exacto, ciseaux, c'est toujours très utile, guenilles aussi. Pour la peinture, vous avez deux types de peinture, c'est toujours la peinture acrylique. Celle qui est en tube de plastique comme celui-ci, dans ce cas-ci, c'est de la marque Amsterdam, elle est un petit peu plus liquide que celle-ci, la Liquidex, dans ce cas-ci, mais même d'autres types. Si c'est des petits tubes, la peinture, le pigment est beaucoup plus dense. Donc, moi, j'aime ça utiliser beaucoup la densité parce que avec l'acrylique, avec le polymère, j'utilise très, très peu de pigments, beaucoup plus de polymère, et là, j'arrive à faire des transparences. Donc, c'est un choix. Celle-ci, parfois, vous en avez des marques qui sont un petit peu moins dispendieuses. Si on n'utilise pas beaucoup d'acrylique puis qu'on veut juste essayer, parfois, ça vaut le coup. C'est juste que vous assurez que c'est ça, de l'application, là, elle est un petit peu plus liquide que celle-ci. Dans ce cas-ci, pour ce projet-là, j'ai utilisé terre de sienne brûlée, qui est un brun moyen. J'ai terre d'ombre brûlée, j'ai le noir de Mars et le bleu de Prusse, qui est un bleu très foncé, donne une densité vraiment intéressante. Voici pour la peinture, les colles. J'ai des bouts de carton qui vont servir au projet, qui vont faire les armes que vous voyez là. Alors, ceux-là aussi ont été traités. J'avais un carton un peu plus petit, je l'ai coupé en segments. Donc, eux aussi ont été traités avec le gesso. Donc, ça aussi, ça va être plus facile au niveau du collage et qu'on ne donnera pas. Papier de soie. Papier de soie, vous n'êtes pas obligé d'en acheter, là, des papiers de soie. Récupérez ce que vous avez, des fois les cadeaux qu'on reçoit et tout ça. Ici, j'ai un papier brun qui est un papier d'emballage assez souple quand même, assez mince. Donc, j'ai utilisé le blanc, le bleu turquoise, le noir et le brun. Et je vais travailler ce qu'on appelle le façonnage. Donc, le façonnage, c'est donner... En peinture, souvent, on va utiliser l'illusion pour donner l'effet de la texture. On va travailler avec des ombres, on va travailler avec des mélanges de transparence pour arriver à trouver des textures. Dans ce cas-ci, la texture, elle est travaillée par le façonnage, c'est-à-dire que le papier de soie va être façonné avec le polymère et je vais arriver à donner des plis, à donner vraiment, ce sera plus une illusion, mais ça va être vraiment une texture réelle. Et il y aura aussi le tamponnage. Le tamponnage, c'est d'utiliser des tampons pour donner des effets là, dans notre produit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la laine, peu importe la couleur. Je l'ai découpé, je m'en suis fait des petits tampons pour arriver. L'effet que je veux obtenir, c'est avoir vraiment des effets là, encore plus grands là, de texture. Donc, j'utilise le tamponnage. Je vais apporter d'autres. Il y a aussi des tampons qu'on peut faire pour peut-être pas ce projet-ci, mais peut-être pour d'autres projets. À partir des effaces, avec un exacto, on peut dessiner sur notre efface et venir évider les parties pour arriver à avoir des pleins et des creux. Et ça peut servir comme tampon. On peut en fabriquer hein, à partir de carton, de morceaux de carton qu'on met dessus. On peut s'en servir pour faire des écritures des fois orientales. Les gens, je sais qu'ils aiment bien ça, alors on découpe du carton, on vient coller sur un autre carton et on applique la peinture en surface et on vient s'en servir pour tamponner là, aux endroits voulus. C'est un peu dans la même veine que le pochoir, mais dans ce cas-ci, c'est en relief. C'est-à-dire que le tampon est en relief. Voilà pour ça. Alors, j'avais apporté aussi des feuilles de styromousse qui peuvent aussi servir de tampon dans des coupes, des parties. On peut aller travailler dedans, un peu à la manière là, de l'efface. Alors, on peut s'en servir aussi. Ça aussi, c'est récupéré. On est prêt? Voilà. Alors, comme je vous ai dit, moi, je fais partie d'une image dans une revue. Dans ce cas-ci, c'est sûr que moi, comme je le fais par étapes, il y a une étape que je vais faire de plus, je vais vous la dire. Comme vous en faites juste une, ça ne sera pas nécessaire, mais je vais l'expliquer. Donc, si je n'en avais qu'une à faire, c'est sûr que là, à ce moment-ci, je la collerais immédiatement. Mais comme
le projet, je vais vous en montrer deux autres étapes et que j'avais pas plusieurs images dans cette revue-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'appliquer et je vais venir faire les contours pour obtenir un peu là, des repères. Donc, si je regarde, je vais faire mon repère d'arbre qui va être ici, hein, mon arbre qui continue comme ça. Il y a une petite rivière qui est ici. Je vais imaginer qu'elle continue puis peut-être qu'elle grossit. Alors, celui-là, je l'ai mis plus haute. Il y a aussi la ligne d'horizon. Ici, il y a comme la petite ligne brune que je peux continuer, qui va donner comme une illusion de terre. Et dans ce cas-ci, j'avais rajouté aussi un genre de petit ruisseau, de petite rivière dans le bas de l'image. Alors, je vais la mettre un petit peu plus foncée là, pour vous donner. Donc, ça c'était comme la première étape du projet. Le choix de l'image. Alors, c'est dessiné, on voit bien. Alors, vous avez votre image, vous continuez au crayon de plomb. Ensuite, j'avais mes cartons hein, que j'avais découpés, un peu à la manière là, des arbres dénudés là, de l'hiver. Je les plaçais dans mon image de cette façon-ci. Je les collais un petit peu plus. On les voit ici là, en parallèle. Et avec ma colle, je vais prendre celle qui est la plus résistante. Je vais prendre celle-là, ça va être plus facile. Alors, dans ce cas-ci, comme c'est très léger, quand je colle des pierres ou quand je colle des matières un petit peu plus volumineuses, j'utilise plus cette colle-ci qui est plus résistante. Mais celle-ci, elle fait très bien l'affaire. Donc, c'est une colle scolaire, une colle blanche. Et je viens appliquer ma colle sur mes troncs d'arbres. Les arbres, je les mettais à peu près à cette hauteur-ci. J'essaie d'être relativement rigoureuse avec l'image initiale. Alors, je colle mes arbres. Voilà. Avec la spatule, je les tiens bien. Pour enlever l'air. Ce qui donne ceci. Alors, le ciel, la partie forêt, les arbres, la partie de terre et la partie d'eau. Donc, plusieurs éléments. Sensiblement la même chose. Alors, on continue. On a placé nos arbres. Là, on va commencer à travailler le façonnage. Le façonnage, comme je disais tantôt, c'est une façon de créer des textures. Avec le papier de soie, ça se travaille très bien parce qu'un papier de soie, c'est très malléable. Et surtout quand on l'applique avec le polymère. Alors, je m'en suis versée dans un petit plat. Et je vais commencer avec le noir qui fait le ciel qui est un petit peu assombri. Alors, je prends la brosse. Ce que je fais, c'est que j'en mets sur la partie où je vais mettre mon papier de soie. Important de quand vous travaillez, c'est de travailler sur une surface là, avec laquelle ça ne vous dérange pas là, d'éclabousser ou de déborder parce que ça peut arriver souvent et c'est embêtant là, quand il faut faire attention à ne pas rien salir. Donc, comme disait maman, on se graille d'un tablier, une nappe de plastique sur notre table. Alors, le papier de soie, il va adhérer. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le rendre. Allez, je mets ça. Je viens coller là, donc je lui donne la matière à. Je vais même
Même s'il y a des trous, c'est correct parce que dans ce cas-ci, entre autres, je vais venir travailler mon noir pour que. Alors, je donne des plis. C'est pas grave si vous allez voir parfois avec le polymère que ça fait déteindre un peu le papier de soie. Hein, regardez, ça donne un peu le noir, mais comme on travaille sur plusieurs couches, on va récupérer cet aspect-là, ça ne dérangera pas. Alors, j'y vais. Je me rajoute par-dessus. Ensuite, on va être rendu au blanc. Le blanc, je vais en mettre dans cette partie ici. Et ça va jusqu'en bas, là, ici. Ça. Donc, ça sera blanc. Ça sera blanc et ça sera blanc. J'en ai besoin d'un petit peu plus. Je déchire. Les repères à la mine aident à délimiter les espaces. Puis parfois, c'est aidant parce que on a comme une idée de départ. Puis quand on travaille dans le façonnage, parfois on perd nos repères. Donc, d'avoir le dessin et de travailler à l'intérieur de ces espaces-là, c'est aidant. Alors, voilà. Ça donne encore la texture. Blanc. Dans ce cas-ci, c'est bon. J'ai travaillé avec le carton par-dessus. C'est un petit peu des fois compliqué parce que faut que je travaille entre les arbres. Alors, on continue. On met le papier de soie blanc entre les arbres. C'est important de mettre beaucoup de polymère. Comme vous voyez. Donc là, ça, c'est la partie en blanc. Ensuite, il y avait une étape, par exemple, que je voulais attendre que ça sèche, que le noir sèche un peu. Et je voulais revenir travailler dessus un peu pour faire des ombres plus claires. Un peu comme vous voyez là ici. Alors, je viens gratter un peu. Ça, c'est. Vous attendez que ça sèche un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Ça reste quand même pour venir travailler ici des ombres plus claires. Comme si c'était juste une. Et voilà. Alors, ça donne. Ça vient donner de la lumière. Dans la partie du haut, on a le blanc. Ensuite, on avait le brun qui travaillait avec. Ce n'est pas un papier de soie, j'aurais pu en avoir, mais c'est ce que j'avais sous la main. Donc, c'est un papier quand même relativement mince qui sert pour le transport, souvent des objets fragiles. J'aime bien travailler avec les objets de récupération. Vous allez voir au cours des différentes vidéos sur YouTube, si vous allez sur MP. Support. Vous allez voir qu'il y a différents ateliers. Et on travaille beaucoup sur des choses avec la récupération. Donc, moi, je trouve ça important de le faire. Alors, voilà. Avec le brun, je vais mettre un petit peu plus de papier. Il est un peu plus rigide. Je vais couper le surplus ici. Voilà, oups! Le brun se continue. Et vous avez la partie de l'eau qui est à partir du turquoise. Si vous avez un bleu plus foncé, ça va aussi. Le choix de couleur vous revient.
Vous allez voir, par exemple, que je travaille souvent avec le papier installé à l'horizontale parce que ça donne les lignes, justement, les lignes de nature là, qui suit un peu l'horizon, donc le courant qui est plus à l'horizontale. Parfois, bon, ça aurait pu être... Ici, dans ce cas-ci, ben, la verticale pouvait être aussi intéressante. Alors, on continue. Ce qui donne, un coup tout installé, ceci. Alors, ça doit être de côté. Donc, les parties brunes, les parties blanches, là, c'est assez neutre pour l'instant. On va revenir travailler vers la fin avec de l'acrylique aussi pour venir retravailler. Donc, on part de cette image-là. C'est notre deuxième étape. Donc, la dernière étape, qui est celle-ci, on a mis le papier brun, le papier blanc, les bleus, et là, on va venir appliquer l'image sur, on va la mettre, la faire adhérer, et ensuite, je vais venir travailler à l'acrylique pour venir travailler toutes les textures là, du paysage. Alors, on reprend notre brosse, le moins d'eau possible, bien sûr, c'est plus, ça adhère un petit peu mieux. Je viens mettre du polymère partout à l'endos de mon image. C'est une technique aussi qu'on appelle le marouflage. Le marouflage, c'est une technique d'encollage, qui est utilisée pour que les choses adhèrent vraiment de façon permanente. Je mets une couche sur le support sur lequel je vais venir coller mon image. Donc, les deux parties sont encollées. Et encore une fois, c'est toujours comme du centre vers l'extérieur. Dans plusieurs vidéos que vous allez voir sur MP Support, j'utilise beaucoup l'encollage. L'encollage est utilisé, je pense que, je vais presque dire des siècles. Différents peintres l'ont utilisé au cours des dernières décennies, beaucoup, au niveau des l'art contemporain. Important aussi l'éclairage, parce que parfois, quand on tourne un peu, on fait « Ah! » On voit qu'il y a des bulles, donc c'est important d'avoir un très bon éclairage pour travailler, pour que vous puissiez bien voir là, ce qui se passe au niveau de votre projet. Alors, on a encollé l'image. Comme je vous disais, c'est une étape qui aurait pu être faite dans votre projet au début. Dans mon cas, c'est parce que j'utilisais une même image là, pour vous montrer les différentes étapes. Il manque, comme vous allez voir ici, ici, une partie que je vais venir travailler en peinture et toutes les parties ici aussi, je vais venir travailler en peinture et aussi en tamponnage avec la peinture blanche. Donc, on prend une assiette, dans mon cas, une assiette. Je viens mettre mes couleurs sur ma palette. Le bleu de Prusse. Ça, celui-là, c'est terre d'ombre brûlée. L'ombre de plus. J'en mets pas beaucoup parce que je vais travailler beaucoup avec le polymère. Donc, et comme vous voyez, c'est des pâtes. Alors, ils se tiennent vraiment, ils ne dégoulinent pas. Quand on travaille avec le polymère, c'est important que la pâte soit assez épaisse. Le noir de Mars. Et pour terminer, terre de sienne brûlée.
Alors, Moire de Mars, Terre d'ombre, Bleu de Prusse, Terre de Sienne brûlée. Terre d'ombre brûlée aussi. Alors, pour arriver à faire les effets, comme on peut le voir ici, on travaille par petites touches, on ne travaille pas en aplat. Donc, ce n'est pas des grandes surfaces là où il n'y a aucune marque, aucune différence. C'est vraiment par petites touches. Donc, je préfère travailler avec des pinceaux à bout plus petit. Dans ce cas-ci, c'est une brosse, mais je travaille aussi avec des tout petits pinceaux fins là, pour arriver à faire des tout petits détails. Alors, pour arriver à voir ça ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur mon bleu turquoise avec du bleu de Prusse et je viens mettre un peu de bonne humeur. Je mets à peine et je viens travailler des fois, je fais juste reprendre du polymère sans reprendre du pigment. Alors, je viens travailler vraiment un tube comme celui-ci. Travailler à la façon que je le fais peut durer très très longtemps. Donc, c'est comme vous voyez, ça en prend vraiment beaucoup pour. Peut-être que j'en ai même mis trop dans l'assiette. C'est possible. Si vous voulez la garder, vous dites, bon, il arrive quelque chose, vous voulez arrêter de faire ça aujourd'hui pour X raisons. Si vous mettez un papier sarran par-dessus, le lendemain est encore utilisable. Mais c'est clair qu'il ne faut pas la laisser à l'air parce que le lendemain, là, c'est rendu une matière vraiment dense. Là. Ça ne s'utilise plus. Alors, la même chose ici. Hein, je vais venir. Et ce que je peux faire, c'est venir travailler aussi un peu sur mon image pour compléter. C'est un peu comme de l'illusion. Et vous allez voir aussi, quand vous travaillez de près, ça donne un effet, mais quand vous travaillez de loin, c'est important d'avoir du recul. Donc, on l'installe quelque part, puis on se recule. Puis là, on va voir, ah, tiens, il y a ça qui pourrait être amélioré. Donc, toujours avoir un certain recul par rapport au travail qu'on fait. Voilà. Là, je vais venir travailler les arbres. J'ai pris le brun, terre d'ombre brûlée. Alors, avec la terre de sienne, là, je vais changer de couleur. La terre de sienne, vous vous souvenez, c'est celle qui est un petit peu plus, un brun plus moyen. Je vais venir travailler cette partie ici. Comme je vous disais tantôt, c'est important le recul parce que quand on est trop, vraiment trop dedans, on voit peut-être pas aussi bien. Je vais donner les petits coins d'ombre avec. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer celle-ci à celle-là exactement parce que c'est pas nous. On ne fait pas de l'impression, on ne fait pas une reproduction exacte. C'est semblable. Et ce que vous allez faire va être aussi à votre manière. Vous n'aurez probablement pas la même image que moi non plus. Donc, ce que vous allez faire va être très personnel et très différent, mais en même temps, va être inspiré d'eux. C'est ce qu'on se dit. Je mets un petit peu noir. Des fois, donc là, j'en ai trop mis. Alors, je peux revenir avec un brun. Puis quand je fais, ah, c'est pas tout à fait ça. Je peux venir effacer un peu, surtout quand c'est encore frais. Bon,
grosso modo. C'est sûr qu'après, là, il y a encore des tout petits détails que je vais faire, mais je vais venir travailler cette fois-ci avec le tampon, avec la peinture blanche que je vais utiliser dans une autre assiette. Alors, je viens appliquer et je vais venir travailler sur ma surface. Je peux arriver des fois à donner juste un petit peu de ton. Juste un petit peu pour venir donner des effets de neige qui a été charrié par la nature. Je vais en ajouter. Vous avez remarqué que le blanc, je ne l'ai pas dilué, je ne l'ai pas mélangé avec du polymère. Je voulais qu'elle reste en une pâte assez épaisse. Parce que si je l'avais utilisé plus liquide, il y aurait peut-être eu des dégoûts. Ça peut être intéressant, mais dans ce cas-ci, dans ce projet-ci, je tenais vraiment à ce que ça soit là, plus épais. J'en viens avec du blanc dans cette partie ici. Pour que l'image ici soit mieux intégrée, dans ce cas-ci, j'avais comme rajouté là, un peu de matière ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner pour que on perde un peu l'effet de coupure de l'image. Donc, ça va venir estomper là, la différence entre l'image et le fond. La même chose avec les arbres, comme les troncs d'arbres se perdent un peu dans la matière. Voilà. Et je vais venir faire des retouches avec mon petit pinceau qui est ici. Et je vais venir travailler là, un peu mes ombres. Il y a un petit peu de noir que je vais venir ajouter ici, un peu ici. Un peu l'illusion d'écorce dans mes troncs d'arbres. Tout à fait la même chose, mais c'est très ressemblant. Alors, travailler avec la texture, travailler avec les tampons, le collage et aussi avec les images rajoutées, le papier de soie. Sur des surfaces, ça c'est une surface qui est facile, sur laquelle on peut trouver ça facilement, donc des cartons. Ça sera un des différents projets là, que vous verrez sur la chaîne YouTube, sur MP Support.
les différents projets qu'on fera en technique mixte. Alors, merci beaucoup. À la prochaine.